Et puis, la fermeture des stations-service depuis le lendemain de l'explosion du dépôt principal de Corentin commence à irriter les populations. Sur la route Le Prince, ce jeudi 21 décembre, des jeunes étaient dans les rues pour demander le service des essenceries. Ils disent être impactés par l'arrêt des activités, notamment le transport, leur principale activité génératrice de revenus. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de notre reporter Nabila El Kamara. C'est pour réclamer le carburant. Nous ne pouvons pas rester éternellement dans cette crise d'essence. Si nous, on ne travaille pas, on ne peut pas manger non plus, vous comprenez? Il faut que le gouvernement pense à servir l'essence pour qu'on puisse travailler. Quand cela est fait, nous rentrerons. Mais il faut forcément ordonner le service pour qu'on puisse travailler. Le litre d'essence est vendu aujourd'hui entre 40 et 100 000. Chacun se débrouille comme il peut, mais c'est insuffisant pour assurer notre survie. 280 000. Roule ici entre 0 et 2 heures. Deux encore qui vont revendre très cher le carburant.